Voilà, j'espère que vous avez aimé ma petite danse parce que je l'ai faite pour vous danser sous la neige. C'est beau, non? J'ai la chance de pouvoir le faire. Et vous? Quel temps fait-il chez vous pour ce 3 décembre? Nous sommes dimanche. Allez, allez, on va parler du sapin de Noël et puis après, il y aura deux cartes. Je vous embrasse très fort. À tout de suite. Avant de vous parler du sapin de Noël, je voulais quand même vous dire où nous pensions, où vous pensiez qu'habite le Père Noël. Alors, le lieu d'habitation du Père Noël est très controversé. Selon les Norvégiens, il habite à Drøbak, à 50 km au sud d'Oslo. Pour les Suédois, c'est à Gesunda, au nord-ouest de Stockholm. Les Danois, eux, sont persuadés qu'il habite au Groenland, alors que les Américains le logent au pôle Nord, en Alaska. En 1927, les Finlandais ont décrété que le Père Noël ne pouvait pas vivre au pôle Nord, car il faut quand même nourrir les rennes. Et sa résidence est en Laponie. Et pour l'histoire du sapin de Noël, eh bien, on y arrive. Alors, le sapin de Noël est appelé aussi arbre de Noël. Il est associé au cadeau de Noël, devenu un objet de grande consommation pour le mois de décembre. Des plantations uniquement destinées à fournir la demande sont réalisés afin de limiter des coupes sauvages dans les bois. On notera que jusqu'il y a peu, le sapin blanc de Noël était en fait, dans environ 60% des cas, un épicéa commun. Arbre moins cher et à croissance plus rapide, mais qui garde ses aiguilles moins longtemps que le sapin de Nordman. À Paris, plus récemment sur le marché et qui est en constante progression. Voilà. J'espère que cela vous a plu. Ces petites histoires, vous en aurez tous les jours jusqu'au 24 décembre. Faites bien attention à tout ce que vous voyez sur les vidéos. Il y aura un petit quiz après Noël. Il y aura des surprises et des cadeaux. Maintenant, nous allons passer aux cartes. Pour vous parler de cette carte, je vais rester à côté de mon ami, le bonhomme de neige. La voix intérieure. Accordez-vous avec votre boussole intérieure. Des mots et sentiments persistants, représentant vos plus vifs désirs, tombent dans votre esprit. Au lieu de différer votre vie jusqu'à faire ou être quelque chose dans l'avenir, apportez vos désirs dans le présent. Lorsque nous pensons faire fausse route, nous avons pris un chemin différent vers notre âme. Tout devient alors un poteau indicateur nous ramenant vers notre centre. Là, nous pouvons nous accorder avec nos conseils avisés. Personne ne vous grondera, hein? Ni ne s'impatientera si vous empruntez la mauvaise voie, comme la voie sur un GPS indiquant la direction à suivre, la sagesse de votre âme vous mènera toujours à votre destination. Les deux feront des ajustements et trouveront un autre itinéraire et vous donneront de nouvelles orientations. Vous ne pouvez pas vous tromper. Écoutez les paroles et idées récurrentes. Faites attention aux sensations prodiguées et avancez avec celles qui font sourire votre visage et votre cœur. Lorsque vous remarquerez un discours négatif dans votre esprit, dites simplement paix, amour ou calme. Cela peut sembler un peu bizarre, mais ça permettra à votre mental de rompre avec la négativité pour vous offrir
et vous ouvrir vers d'autres possibilités. L'oracle des fées et des lutins maintenant. La carte numéro 8. La bibliothèque des grimoires. Pour apprendre de nouvelles choses, le lutin essaie et ose. Qu'importe les résultats obtenus, il ne sera jamais déçu. Lire, écrire, pour découvrir, il utilise le grimoire pour fignoler son savoir. Le temps est propice à la lecture pour vous lancer dans de nouvelles aventures. Des petits conseils enchantés. Dépassez-vous en approfondissant vos connaissances. Intéressez-vous à de nouveaux domaines. Essayez de nouvelles choses. Lire, écrire ou encore voyager. Allez, faites tout ce que vous voulez. Le seul mot là, c'est l'heure de l'apprentissage à sonner. Et puis surtout, surtout, c'est votre chakra couronne là qu'il faut réactiver. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'adore toujours être avec vous. Alors, je vous dis à demain. À demain. Au revoir.